الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه في كتابه صريح البيان صحيفة 168 alors le Cheikh Abdullah a continué à parler dans le livre صريح البيان à la page 168 au sujet de montrer l'égarement de certains qui prétendent être soufis et qui dit que le monde est Dieu ou ils croient à l'incarnation. Non, fi qawm da'u tasawuf wa qalu bil wahda al mutlaqa qalu la mawjuda illa Allah wa minhum man yaqul anna Allah yahullu fi ibadi. Yaqul al-mu'allif qala sharih al-aqida al-tahawiyya وهذا القول الذي هو ظاهر الفساد قد قضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو أقبح من كفر النصارى في الاعتقاد فإن النصارى خصوه بالمسيح من الكائنات وهؤلاء عموا جميع الكائنات. Alors on était en train de dire, de parler que Allah est différent des créatures et que le monde n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prétendent être sauf, il dit le monde est Dieu. Ils disent il n'y a que Allah qui existe et tout ce que vous voyez c'est Allah. Alors c'est des gens, des grands mécréants comme les athées. Et l'auteur, c'est lui qui a fait le commentaire sur le livre l'Aqidah al-Tahawiyya. L'Aqidah al-Tahawiyya, c'est un imam de Salaf qui s'appelle Imam Tahawi Abu Ja'far. Depuis 11 siècles il a fait ce livre. Il a été apprécié dans le monde entier par la communauté musulmane. Les grands savants de l'islam l'ont apprécié depuis 11 siècles. Alors vraiment, et l'imam qui a fait, c'est un grand imam, que ce soit dans le fiqh, dans l'aqida, dans le hadith, dans la langue arabe. Il s'appelle Ahmed ibn Sulama, Ahmed ibn Salama, Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi. Il a, alors, certains ont commenté son livre et il a dit, voilà, cet avis-là, il est vraiment quelque chose de très faux. Hein? Le fait de prétendre que Allah Ta'ala est le monde, il a dit, certains ont dit qu'Allah s'incarne dans les créatures. Et d'autres ont dit qu'il n'y a que Allah qui existe. Et tout ce que tu vois, c'est Dieu. Il a dit, ça c'est plus grave de ce qu'ils ont dit les chrétiens. Ce que les chrétiens, ils ont dit, c'est le Messie. Ils disent, Allah s'est incarné en le Messie. Et ces gens-là, ils ont dit pour toutes les créatures. Il a dit pour, même pour les chiens, pour le cochon, il dit c'est Allah, c'est Dieu. Et bien sûr, c'est une parole de la mécréance. Actuellement, il y en a de ces gens, je dis en France, en Syrie, au Liban, en Palestine, en Tunisie, au Sénégal, et ils ont des chapelets, mais ils croient que le monde est Dieu. Alors ces gens-là, lorsqu'ils font la prière, ils deviennent plus mécréants parce qu'ils sont en train d'adorer les chiens, ils sont en train d'adorer les montagnes, les arbres, parce qu'ils disent tout ça c'est Allah. Haoula yazdaduna kufran kullama qamu bi surati al-ibada li'annahum ya'buduna ghayra Allah, parce qu'en réalité ils adorent autre que Dieu. C'est quelle différence entre eux et les idolâtres? Hein? Parce que les idolâtres, ils adorent les idoles, et ces gens-là, ils disent même les idoles, c'est Dieu. Alors, quelle différence! Et ces gens-là, ils ont généralisé pour toutes les créatures. وقال ومن فروع هذا التوحيد عندهم والعياذ بالله أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان عارفون بالله تعالى على التحقيق والإيمان والإقامة. Il a dit selon eux, Pharaon et sa communauté, ils ont la foi, ils ont le tawhid, ils sont parfaits dans leur foi. Allah Ta'ala a dit, le jour du jugement, faire rentrer Pharaon et ceux qui l'ont suivi dans le châtiment le plus dur. Alors, comment ces gens-là, ils seront dans le tawhid dans ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية. Pour eux, ces gens-là, puisqu'ils disent tous c'est Dieu, alors ils n'ont pas de problème de coucher avec la mère, la sœur, une femme étrangère. Et je vous ai dit hier que quelqu'un, il a amené soi-disant son cheikh
Il a dit à son épouse, tu vas dormir avec lui pour la baraka. Il a amené son cheikh pour dormir avec son épouse. Parce qu'il croit que lui il fait partie de Dieu, tu vois. Alors, hada mushkil kabir, c'est un grand problème, cette fausse croyance-là. Et selon eux, il n'y a pas de différence entre l'eau et l'alcool, entre le mariage et la fornication, du fait que tout ça c'est Allah. D'après eux, tout ça vient du même chose, même ils disent tout ça c'est Allah. Allahu Akbar. Quelle fausse croyance! ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. D'après eux, que les prophètes ont rendu les choses restreintes sur les gens. Il fallait pas dire ça c'est haram, ça c'est interdit, puisque tout ça, d'après eux, c'est Dieu. كأنه أشار إلى أقوال دست على الشيخ محي الدين من أنه قال في الفصوص. Mais il y avait quelqu'un qui s'appelle Dust. Il a fait un commentaire sur le livre de Cheikh Mohdi ibn Arabi. On a déjà dit que Cheikh Mohdi ibn Arabi, c'est un grand imam, c'est un grand cheikh, mais les ennemis de l'islam, ils ont falsifié dans ses livres. Et certains savants qui a dit, on a vérifié son livre Al-Futuhat sur l'original manuscrit qui se trouve à Konya, on n'a pas trouvé tous ces mensonges. Mais comme après les livres de Fusus al-Hikam ou al-Futuhat al-Makkiya, ces deux livres de Ibn Arabi sont pleins des ajouts mensongères. Quelqu'un qui s'appelle Dost, il a fait un commentaire sur ça. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre al-Fusus? Il a dit, Man idda'a al-uluhiyya fa huwa sadiqun fi da'wa. Il a dit, c'est lui qui prétend qu'il est Dieu, il est véridique dans ce qu'il a prétendu. Mais du fait qu'ils disent que tout est Allah, alors si quelqu'un il dit je suis Dieu, il a dit, il est véridique. Alors voyez à quel point ils sont arrivés dans la mécréance. ومن أنه أباح المكثل الجنوب والحائط في المسجد. Il a dit que celui qui est jeunoub, celui qui a les menstrues, il peut rester dans la mosquée. C'est lui la Cheikh Dost. وأنه يقول بقدم العالم. Et il disait encore que le monde n'a pas de début. Tout ça, c'est de la mécréance. Le monde est une créature. Et c'est Allah le créateur. C'est Allah qui existe sans début. Le monde est une créature. Allah est différent du monde. Allah est différent de ses créatures. C'est comme ça qu'il a dit l'imam al-Junaid. At-tawhid, ifrad al-qadim min al-muhdath. Le grand imam de tasawuf, l'imam al-Junaid, il a dit at-tawhid, c'est le fait de croire qu'Allah, l'éternel, est différent de toutes les créatures. C'est Allah seul qui est éternel sans début et qui est différent de toutes les créatures. C'est ça la parole juste de Tawhid, dite par grand imam de parmi les imams de At-Tasawuf, l'imam al-Junaid. وَهَوْلَا يَقُلُونَ اللَّهُ وَالْعَالَمُ. Et ces gens-là, ils disent Allah est le monde. وَمِنْ أَنَّهُ قَالْ ضَيَّقَ إِبْنُ أَبِي كَبْشَ أَمْرَ الدُّنْيَا عَلَى الْمُوحِدِينَ. Tu sais qu'est-ce qu'il voulait dire par Abi Kabsha? C'est Dust. Ils disent Ibn Abi Kabsha, ils visent le prophète Muhammad. Il dit, il a nommé le prophète Muhammad Ibn Abi Kabsha. Il a dit, il a rendu les choses restreintes sur ceux qui proclament le Tawhid. Parce qu'eux, ils disent, il n'y a que Allah qui existe. Et comme le prophète leur a dit, ça c'est haram, ça c'est interdit, ça obligatoire. Alors il a dit, il a rendu les choses difficiles. Alors d'après lui, tu fais ce que tu veux. قال وأن فرعون خرج من الدنيا طاهرا مطهرا كما نقل ذلك عماد الدين بن كثير بسنده عن العلامة تقي الدين السبكي عن شيخ الإسلام ابن دقيق العيد القائل في آخر عمره لأربعون سنة ما تكلمت بكلمة إلا وعدت له جوابا بين يدي الله. Alors encore on rapporte que cet homme là, il a dit que Pharaon est sorti de ce bas monde pur et purifié. Mais Pharaon, c'est la tête des mécréants. Il a dit, celui-là, il est sort pur et purifié. Et comme il a rapporté Imad al-Din ibn Kathir avec une chaîne jusqu'à Taqi al-Din al-Subki qui a rapporté de Sheikh al-Islam ibn Daqiq al-Aid. Ibn Daqiq al-Aid, c'était, même on a dit, c'est le
un grand savant qui a rénové de cette communauté, مجدد هذه الأمة. ابن دقيق العيد قيل فيه إنه مجدد هذه الأمة. مجدد الرابع. Qui était un grand imam. وابن دقيق العيد قال لي 40 سنة. Ça fait 40 ans. J'ai jamais passé une parole avant de savoir la réponse si je serai questionné le jour du jugement sur cette parole. Ça fait 40 ans, avant de parler, je mesure bien la parole. Si le jour du jugement, Allah me questionne sur ça, je prépare la réponse. Ça fait 40 ans qu'il était comme ça. Ibn Daqir al-Aid a rapporté que cet homme, il a dit, de cela, il a dit que Pharaon est sorti pur et purifié. قال الإمام الجزري رحمه الله بعد كلام وبالجملة فالذي أقوله وأعتقده ممن أثق به من شيوخي الذين هم حجة بيني وبين الله تعالى أن من صح عنه هذا الكلام وأمثاله مما يخالف الشرع المطهر وقاله وهو في عقله ومات وهو معتقده ظاهره وهو معتقد هو أنجس من اليهود والنصارى فإنهم لا يستحلون أن يقولوا مثل ذلك. Alors l'imam al-Jazari, c'est connu, imam al-Jazari, il a dit ce que je dis et ce que je crois et ce que j'ai entendu de mes mashaïkh qui sont une référence pour moi et c'est un argument pour moi pour le jour du jugement, que toute personne qui dit une telle parole, qui croit à ça en ayant la raison et il meurt sur cet état, il a dit il est un homme impur, il est pire que beaucoup parmi les mécréants. Il est anjas min kathir min al kuffar. Il a dit il est pire de beaucoup de ceux qui sont pas musulmans. قال حتى اليهود والنصارى لا يقولون ذلك. Il a dit même les juifs, les chrétiens ne disent pas ça. ولا يلتفت الى قول من قال ان هذا الكلام المخالف لظاهر المرام ينبغي ان يؤول. Il a dit on donne pas d'importance à celui qui dit que cette parole qui contredit l'apparence, mais il faut l'interpréter. Quelle interprétation? Celui qui dit que celui qui prétend qu'il est un dieu, il est véridique dans sa prétention. Quelle interprétation? Celui qui dit je suis dieu, ça c'est un véridique, ça c'est un grand menteur. C'est pas toute parole de mécréance qu'on peut l'interpréter. On interprète si la langue accepte. Si la langue accepte qu'il y a deux, trois significations, on dit ah. Quel sens a voulu? Mais si la parole n'a qu'un seul sens, on ne peut pas interpréter. Mafik, si tu dis à quelqu'un Himar, tu peux, là, je veux dire c'est un lion. Mais tu ne peux pas dire si tu veux dire, tu as dit à quelqu'un, il a dit c'est un âne. Ah non, je voulais dire un lion. Non, si tu as dit un âne, c'est une insulte. Si tu dis un lion, c'est une louange. Et lion, c'est-à-dire fort ou courageux. Et si tu dis d'âne, âne, yani bête. Alors, tu ne vas pas dire âne et tu dis je voulais dire lion. Ça ne marche pas dans la langue. فإنه غلط من غلط من قائلي قال وكيف يؤول قولهم الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف. Il a quelqu'un, il a dit le poésie. Il a dit الرب est une vérité et l'esclave est une vérité. Et alors je jure qui est le qui est responsable de faire. C'est comme il dit, Allah et l'abd, c'est la même chose. Alors, comment ça se fait? Il dit, qui est le responsable parmi eux? Qui fait le kalam? وقوله ما عرف الله إلا المعطل والمجسم لأن الله تعالى يقول ليس كمثلي شيء فهذا دليل المعطلة وهو السميع البصير دليل المجسم وقولهم ما عبد من عبد إلا الله لأن الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. C'est pour dire que ces gens-là, ceux qui disent le monde et Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il n'y a que les athées et les anthropomorphistes qui ont connu Dieu. Parce que lorsque Allah Ta'ala a dit ليس كمثلي شيء, alors il a dit voilà, les athées, ils ont connu Dieu. Et lorsqu'il a dit « وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ » il a dit c'est l'argument des anthropomorphistes. Et il a dit après « De toute façon, tu adores ce que tu adores, tu as adoré Dieu. » Puisque Allah a dit « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا » Le mot « qada » ça veut dire « à ordonner ».
Eux, ils ont expliqué le mot qada et la prédestinée. En réalité, wa qada a ordonné, comme la suite de wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana. Le mot qada, dans le sens a ordonné. Eux, ils ont dit qada et la prédestinée. Mais d'après eux, il a prédestiné que vous adorez Allah. Alors ils ont dit, tu adores ce que tu as adoré, si tu as adoré Dieu. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas dans le sens ici, qadar dans le sens prédestiné, c'est dans le sens à ordonner, Allah a ordonné de l'adorer seul et d'être bienfaisant avec les parents. Parce qu'il y en a beaucoup, si d'après eux, qadar a prédestiné, il y en a beaucoup qui se comportent mal avec les parents. C'est vrai ou non? Beaucoup. Beaucoup, ils se comportent mal. Alors d'après eux, qada a prédestiné que les gens se comportent bien. Et d'après vous, il y en a beaucoup des gens qui se comportent mal. Vraiment, c'est des gens au bord de la, très loin de la vérité. Lakin futina bihim kathir. Il y a beaucoup de gens qui les suivent. Je vous ai dit, en Macédoine, à certaines régions, il y a des gens qui croient que le monde est Dieu. Bon, la plupart croient que Dieu et le monde, c'est la même chose. وقولهم في فرعون قبضه الله تعالى طاهرا مطهرا لم يقترف ذنب والله تعالى يقول فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Eux, ils ont dit que Pharaon est sorti pur et purifié sans péché, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'on l'a fait noyer dans l'eau et en étant injuste, parce qu'il a dit فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Regarde comment c'était la fin des injustes. Alors comment ils disent il est sorti pur et purifiant et Allah Ta'ala a dit regarde la fin des injustes. قَالَ تَعَالَى وَجَعَلْنَاهُمْ أَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ لَا يُنْصَرُونَ. On a fait deux des imams qui appellent les gens à l'enfer, et le jour du jugement, ils ne seront pas dans la réussite. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que dans ce bas monde sont maudits, et le jour du jugement ils seront parmi ceux qui sont très châtiés, ils sont très dans un très mauvais état. هَذَا يُؤَوَّلْ. Ça on peut l'interpréter. C'est celui qui dit oui, alors c'est pas une interprétation, c'est une falsification. أَدَمَا بِكُنْ تَأْوِيلْ بِكُنْ تَحْرِيفْ. ولو فتح باب تأويل كل كلام ظاهر الكفر ما عاد في على الأرض كافر. Si chaque parole de mécréance on peut l'interpréter, après il ne reste plus de mécréants sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Il a dit Allah ta'ala à Sayyidina Muhammad, dit aux mécréants, ô vous les mécréants, لا أعبد ما تعبدون. Et eux ils disent tu adores ce que tu as adoré Allah. Et Allah, pourquoi il a dit la abudu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez, parce que eux ils adorent les idoles. Et le prophète Mohammed, Allah adore Allah, alors ceux qui adorent les idoles n'ont pas adoré Allah. C'est des choses très simples pour nous, mais lorsque tu vois combien des gens qui disent ça, tu vas être étonné. Et comme on a dit hier, ils disent ça, c'est, on l'a connu par le dévoilement, c'est le nour qu'Allah a mis dans notre cœur et on a vu ces vérités et vous ne voyez pas. Quel nour, quel mensonge, un nour qui contredit le Coran, ça ne va pas à la tête. يقول والحق يقال الذي عليه أهل الورع من علماء الدين أنه لا يحكم على ابن عربي رحمه الله نفسه بشيء لأن لسنا على يقين من صدور هذه الكلمات منه ولا من استمرار عليه إلى وفاته ولكن نحكم على مثل هذا الكلام بأنه كفر. Il a dit que ceux qui avaient les savants de l'islam qui ont scrupuleux qu'on ne juge pas que Ibn Arabi a dit ça. Et on n'est pas sûr que ces paroles, c'est lui qui l'a dit ou qui l'a continué à être. Mais on dit, ces paroles, c'est des paroles de mécréance. Ces paroles sont des paroles de mécréance. Et comme on a dit, beaucoup de savants ont dit, dans les livres d'Abu Arabi, il y a beaucoup des ennemis qui ont falsifié. Mais il faut dire, c'est lui qui dit ça, il a mécru. Et on croit que Ibn Arabi est innocent, n'a pas dit ces choses-là.
وقد تجرأ بعضهم فقال هذه الكلمات من اصطلاحات الصوفية توافقوا على ألفاظ وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارف عنها. هذا ما بيصح. Certains ont dit, oui, يعني, il a osé dire, oui, c'est des paroles, ça c'est des اصطلاحات, ça c'est des paroles spécifiques, si tu veux, connues chez les Sophia, qu'eux, ils disent certaines expressions et ils veulent dire d'autres significations. Autre que la signification que vous connaissez. فأجاب بعض الفضلاء عن تلبيس هذا الملبس إن أراد هذا المغفل بالصوفية الصوفية الحقيقية المسلمين التابعين للكتاب والسنة فهذا زور وبهتان. Alors un parmi les gens de mérite, il a dit ce qu'il a dit celui-là, ce tricheur-là, s'il voulait par al-Sufiya. Alors, Sophia, les vrais musulmans, c'est des gens qui suivent le Coran et la Sunna. Alors, ce qu'il est en train de dire, هذا زور وبهتان, لأنهم إنما اصطلحوا على ألفاظ مطابقة في تفسيرها لقواعد الإسلام. Les vrais soufis, ils se sont utilisés des expressions connues chez eux qui ont conformité avec l'islam, avec le Coran, avec la Sunna, avec ce qu'il a amené le prophète, عليه الصلاة والسلام, avec les lois et qu'il a amené. غير مخالف لشيء منها, il n'y a rien qui contredit les lois de l'islam, comme ça a été, vous pouvez consulter le livre Al-Risala Al-Qushayriya. Al-Risala Al-Qushayriya de l'imam Al-Qushayri, l'ustad Abu Al-Qasim Al-Qushayri, c'est un grand imam parmi Soufiya, et son livre Al-Risala Al-Qushayriya, il nous donne un résumé sur leurs termes, leurs croyances, leur foi, et ça c'est un livre de référence de tasawuf, pas ce qu'ils prétendent celui-là, que eux ils ont des termes spécifiques à eux, ils comprennent d'autres choses que vous comprenez. Je viens de dire, tu peux pas dire à quelqu'un tu es âne et après tu dis je voulais dire qu'il est lion, hein? Tu peux pas dire tu adores ce que tu veux, tu es adoré Allah, c'est quoi ça? C'est quoi, tu adores, si tu adores les idoles, si tu adores le vache, une vache ou un veau, une pierre, tu as adoré Allah là. Et celui qui dit Allah est le monde et tout ce que tu vois dans le monde c'est Allah, c'est pas de l'islam ça, ça c'est de l'athéisme, c'est la pire sorte de mécréance. Hada akhtar wa ashad anwa' al-kufr wal 'iyadhu billahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.